Surtout que je suis privé d'un putain de danseur de guerre. Ah, il m'a pas pris. Ah si, il m'a pris le sorcier. C'est bon. Ouais, c'est pour la fierté personnelle. Si tu veux, moi je suis à l'ancienne quand même un petit peu, tu vois. Et j'aime bien finir les matchs pour finir les matchs et le plaisir éventuellement de réussir à gagner un match compliqué. Tu vois, voilà, je suis un peu un jusqu'au boutiste. J'aime bien finir ce que je commence. Mais c'est vrai que ouais, quand c'est trop violent, quand je tombe sur des équipes full châtaigne. Châtaigne, blocage, griffe, bon, voilà le plaisir quand tu joues de l'elfe, ah, c'est compliqué quoi. Oh, si tu regardes mes replays sur YouTube, il y a j'ai fait des matchs qui ont été très, où j'ai pas mal souffert, où j'ai fini par gagner, hein, même avec trois joueurs sur le terrain, je finissais par gagner. Donc c'est super gratifiant, mais bon, voilà, quand tu commences à collectionner les morts et patins et couffins, ça fait chier parce que j'ai un gros défaut, c'est que je m'attache à mes teams en fait. Je sais que c'est un gros défaut sur Blood Bowl, mais faut tellement de temps pour les monter que tu t'attaches forcément un peu quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Bon après voilà, ça c'est une team un peu neuve. Bon, on verra ce qu'on peut faire hein, de toute façon. Hein. Bon là déjà il me laisse un boulevard. Il a dû avoir peur de la frénésie là direct. Lui c'est une cible. Il a blocage, ton culé. Ouais. Donc j'enregistre ma config, un de ces quatre. Hein. Si je fais des double clics, c'est un peu mieux, non? Quand même. Ok, ça roule, avec plaisir.
justement, voilà quelqu'un. Salutations, noble barbare. Salut. Mais voyez-vous toutes ces taches sur ce vêtement? Ah ben, j'ai foutu sur la gueule avec Gobelin. Mais alors, il te faut la meilleure lessive, qui respecte à la fois la souplesse des matières et l'intensité des peintures. La formule étonnante de la lessive d'Orzine élimine les bactéries et redonne au tissu sa splendeur de bourgeois. Merci. Les bactéries peuvent être responsables de maladies. Jamais, mais... Pour chaque partie de la lessive d'Orzine, tu trouveras des porte-clés collectionnés. J'ai pas de clés. Cette nouvelle formule, c'est vraiment très bien pour toute la famille. J'ai plus de famille. Veux-tu échanger ton ancien détergent contre un paquet de lessive d'Orzine? Non. Mais tu n'as pas envie de laver tes vêtements? Non. Et tu n'as pas envie qu'un parcours de lavant inonde? Non. Mais que fais-tu avec ton épée? Je vole ta bourse et j'achète de nouveaux vêtements. Mais c'est une plaisanterie. Non. Tu ne peux quand même pas. Voilà ma bourse. Merci. Eh ben, je crois que je vais changer de métier. Il a mangé déjà Lisan et moi aussi. Enfin, j'ai grignoté un truc vite fait. Oui, je veux bien. Oui, tu as déjà fini ton réservoir ? Putain, tu fumes trop. Tiens. Tu sais comment on la démonte ? Ok. Ok, ça va. Pardon ? Non, ça c'est tabac.
Qu'est-ce que tu te fais de bon? Putain, t'es bien habillé. Félicitations. Ah, c'est cool. Ça s'est bien passé le lycée? Ça s'est bien passé le lycée? Ok, super. D'accord. Ok, ça roule. Ah bah oui, ça tend, ouais. Comme ça je te la charge un peu. Excusez-moi pour cette interlude familiale. Bon, déjà, je suis content, j'ai un 3 quarts qui grimpe, ça c'est bien. Et la balle est loin, ça c'est bien aussi. Sale gueule, toi. Tu me fermeras la fenêtre quand t'as fini de faire cuire ? Tu l'as senti venir la cage là, quelque part par là ? Ah, dommage, t'as grillé une relance. Allez, frénésie, continue. Ah, c'est con, hein. Ton Minotaur, je vais me le défoncer. Salut, papillon. Et mais alors, papillon, c'est tout à fait ça. Si tu veux apprendre des gros mots, viens regarder Charognard jouer à bout de bol. Et cet enculé de sa race de chaotique, je vais le défoncer. Je suis motivé là. J'ai une revanche à prendre sur ma journée désastreuse d'hier, en termes de bout de bol. Je vais le pulvériser. De toute façon, les chaotiques, c'est tout ce qu'ils méritent, c'est de se faire pulvériser. Vas-y, manque-toi, fais-moi plaisir, fais-moi rêver. Ah, quel dommage, mes amis. Crois que tu m'impressionnes, hein? Crois que tu m'impressionnes.
bon, t'en as deux isolés là, t'en as trois isolés là, faut que je me les fasse. Donc, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Putain, c'est pas passé. Bon, il se bouge ce connard là. Il va me la faire longue. Bah, viens sauver ton Minotaur, t'as raison. Ouais. C'est un 3 quarts. Bon, lui, il va souffrir aussi, sans doute. Non, ça va. Rien de grave. Plus violent. Ça commence.
Alors. Allez, tue-le! Voilà! Bien joué, mon gars! Tue-le! Ouais, exactement. Les trois quarts ont aussi une vie, ouais. Prochain tour, je le repiétine d'entrée. Il faut pas qu'il se lève, lui. Il faut dégager lui. Il faut pas qu'il se lève. Il faut pas qu'il survive. Il faut pas qu'il se lève, cet enculé là. Oui, t'as pas encore esquive, toi. Aïe, aïe, aïe. À mort. Allez, on va le soigner, lui. Parce que après, il faut finir le match, quand même. Il faut finir le match. Avec des effectifs quand même. Ça aide. Ah, il flash, putain. On attend le bon moment pour le contre. C'est bon, je viens de me faire un soupe.
rien trouvé. Exactement, une vraie misère. Moi, à ta place, j'aurais pris la Chantos. C'est vrai, ça. Pourquoi j'en avais pas sur moi? Et oui, avec les bonbons Chantos, mais jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. Chantos, c'est une friandise à base de champignons d'énigmes, enrichis en poudre de granit. Avec deux bonbons par jour, vous pouvez facilement insulter sur le corps de personne. 100 grammes, 1 kilo. Allez, viens, on va s'en prendre un. Ah, ça fait quoi de se faire enculer, hein? Merde, ça m'arrange pas. Mais c'est pas grave. Faudrait pas qu'il me le sorte, c'est tout. S'il me le sort pas. Ah mais merde, putain. Ça m'arrange pas trop. Bah c'est pas grave. On fera avec. Déjà il a pas la balle. Tout ce qui compte. Oh putain, double flash quoi. Ah
Putain. Arrête ta chatte, hein. Paye ta chatte, hein. Putain, paye ta chatte, encore une fois. Le quotidien de l'elfe. Se faire sortir. Putain, encore 3 KO en un tour, quoi. Va niquer tes mères. Oh putain, non, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça. C'est chaud hein, les esquives là. J'ai pas vraiment le choix hein. Dégage-le, hein. Parfait. T'aurais pu le tuer au passage. Mais bon. Blitzer ici comme ça, mais bon, j'ai mes chances hein. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ah la combe t'es mort. Putain mais va niquer. Eh mais va ch... Oh là 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 là. Sur un mouvement supplémentaire quoi. Voilà, ça te fait la bite un peu. Je suis à moins 2. Thank you.
Allez, c'est l'instant de vérité. On croise les doigts. Parfait. Parfait. Dans le cul, Lulu. Moi, une double school là. Ouais, ouais, c'est bien aussi. Ça, c'est moins bien, mais c'est pas grave. On fera avec. Allez, maintenant tu vas te faire foutre. Il va falloir s'arrêter avec les 1 à un moment donné, hein. Thank you.
Allez, fais-toi expulser, hein. Rends-moi service, fais-toi expulser. Hein. Fais-moi un petit KO, un truc pas trop grave. Voilà, rien du tout, parfait. Voilà, ça, ça me plaît, ça. Le but du jeu, c'est de creuser l'écart. Prends pas de risque. Je sais pas pourquoi je me fais chier en fait. Pour préserver les quelques forces qui me restent. Voyons, les hobbits, vous avez déjà fait 6 repas aujourd'hui. C'est croustillant, des chocolats fondants, ça croque sous la dent, c'est vraiment succulent. Crevette au lard, crevette au lard. Bon, il va mettre 3 heures là pour faire 4 blocages là. Fais-moi un 1 là. Ah non. Là j'ai pas esquive. Fais-toi virer toi aussi, hein. Fais-moi rêver là, vends-moi du rêve là, vends-moi du rêve, fais-toi virer. Blessé. Qu'un effet à long terme. C'est quoi lui? C'est un 3 quarts, passé.
Ah, voilà. Ouais, dans le cululu. Travaille-toi, toi. Ah, putain. Va être pénible cette deuxième mi-temps. Comme par hasard, ça tombe chez moi, quoi. Bon, allez, putain, mais ça, ça me pète les couilles! Putain, casse les couilles ce jeu de merde. Oh, c'est bon ça. Ça c'est moins bon. Thank you.
avec une solution de boulin. Bonsoir, Astra. Oh putain! Bon bah voilà, ça commence les double 1 de merde. Putain, ça commence les 1 là. Putain, ça m'énerve. Mon Dieu, ce que ça m'énerve. Vous pouvez pas imaginer comme ça m'énerve. La bite, hein. Tu le fais ton putain de 1 là? Non hein, toi tu fais pas de 1. Hein. Eh il a blocage ce fils de pute, oh putain. Oh fais chier. Thank you.
tous les enfants singes ont écouté mille fois cette chanson du passé. De là les forts, ils se sont épousés, laissant derrière eux les souliers de mère et de père. Ouais, manque toi. Ce que je te demande. Cette chronique se déroule dans un temps où le temps lui-même n'existait pas. Ni les chroniques d'ailleurs. C'était un temps où la vie n'avait que peu de valeur. Où le sang coulait par barriques entières. Un temps où les modems n'atteignaient même pas 28 kilobits par minute. Un temps... Tu vas la faire, ta chronique, oui. Ouais, bon, en ce temps très ancien, que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître, la haine entre les peuples avait atteint son paroxysme. C'est bon, ça. D'immenses et redoutables armées convergèrent vers la plaine de venus de terre gelée, chevauchant de dragons de glace, les barbares et les amazones faisaient tourner leurs armes au-dessus de leur tête. Arrivés du cœur des montagnes, à gauche, à côté du volcan vomissant le soufre, sur des chariots chargés de barils de bière, les nains ivres... Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Ah putain, il flash ! Ah, j'ai envie de mourir ! Sors-la-moi, la putain de balle. Sors-la-moi. Ou donne-la-moi, mais fais quelque chose de bien. Ah, il relance. Il espère le 6. Bah non. 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 Parfait. Bon, sauf qu'il peut aller la ramasser avec quelqu'un d'autre, là, du coup. Il a plus de relance, le monsieur. Et là, on croise les doigts très fort. Hein. Re-antalien. Allez, rate-toi. Ouais. Parfait. Il me reste une relance. Un plus, je viens ici.
Lui, je le tape à 2D, ça change rien. Lui, je le tape, ça change rien. Lui, les esquives, là, elles sont chaudes bouillantes. C'est beaucoup de gros jets, hein, mais... Je me vois pas avoir le choix, là. Tu te relèves pour emmerder. Putain! J'ai fait un 2, quoi! Mais putain, mais c'est insupportable! C'est insupportable! C'est insupportable! Bon, je l'emmerderai bien comme je peux, hein, mais je l'aurais emmerdé au max. Hein. Putain, il m'aurait suffi d'un 3+, là, bam, après j'ai essayé la bombe, là-bas, et c'était quand même un peu plus fun, quoi. Là, j'aurais bien aimé lui mettre 3-0 à ce fils de... à ce gentil petit garçon. Alors garçon, tu joues là ou tu fais les dents là? Parfait. Voilà, dans le cul, Lulu. Excédée par la violence des combats, la confrérie des maîtres sorciers et conquiseurs venait de prononcer la vocation de Dieu. Vas-y, viens faire une esquive maintenant pour ramasser la balle. Rire diabolique. Putain, ça passe. Oh, l'enculé de base. Ah bah, merci Nuffle, hein. Bon, ça passe pas, lui, ça passe. Ça me dégoûte. Ça me dégue. Je suis dégue. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ah oui, te voilà. Oui, chérie, qu'est-ce qui t'arrive?
écoutez, quoi. Quittez-moi votre masque. Merci. Un coup de masse bave chaque matin et ton shampoing ne sert à rien. Les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Je viens d'un tout petit village, oui, il m'a pardonné. Échappé à un pillage, caché au milieu des cochons. Ah putain, j'ai fait une merde. Bon, c'est pas grave. Laisse tomber. C'est une putain de blague. Quel pseudo, Antalien? Parce que c'est le pseudo que j'ai sur internet depuis 1998, à peu près. Donc je le garde. J'y suis attaché. Putain, mais alors là, ça me rend dingue, quoi. Oh là là, ça me rend dingue. Tant pis. Tant pix.
Tant pis pour moi. De toute façon, avec le nombre de joueurs que j'ai sur le terrain, il fallait que je prenne un peu des risques. C'est ma façon de jouer, je l'assume. Pas de problème. C'est pas passé, c'est pas passé. Ça aurait pu. Hein. Suppute passé. Ce n'est pas passé. Ce que je vais faire avec la balle de toute façon, là. Je vais la poser, je vais essayer de la jeter par enfin, encore, ça va dépendre où il bouge lui. Ça pour ne passer à personne au final ou jeter la balle par là là et lui donner quoi. Ça va être hyper compliqué hein. Ça va être hyper compliqué et je vois difficilement ça de façon réalisable. Ah, c'est un land quoi. Je fais du un land. Ah là 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 là. Dommage, il y avait de l'idée à la base. Ça aurait pu passer, j'aurais pu marquer le touchdown. C'est l'autre trou du cul là, il s'était pas marave la gueule. Sur un mouvement supplémentaire pour me mettre hors de portée du blitz de sa chèvre. Tant pis. J'aurais mieux fait de risquer le blitz. Enfin, avec des si, on met pari en bouteille, hein, comme on dit. Thank you.
Tu vas le tuer, ouais, ou merde? Putain, il veut pas, hein. Putain, encore un. Putain, mais c'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. Infernal, ça m'inferne. Ça m'inferne. J'en invente des mots, quoi. Ah là 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 là. Tiens, ça fera la bite. Allez, recommence. Fais-moi un triple school là, que je me marre un coup là. Non. Aïe. Bon, bah ça sera un match nul. Ça sera pas une défaite, c'est déjà pas mal. Rate-toi. Ah non, il se rate pas. Putain, il récupère son guerrier du chaos, la camp de sa mort. Ah putain. Reste quoi? Deux tours? C'est jouable. Dur, 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 dur. En plus, j'ai plus de relance. Oh, regarde-le-moi, ce gros PD là. Bon, c'est pas grave, j'ai la tactique, je sais ce que je vais faire exactement. Après, bah, faut, c'est toujours pareil, hein, faut pas rater les jets, quoi. Yeah.
On verra bien. Le problème, c'est que j'ai pas de relance. C'est ça qui va être problématique. Mais enfin, on verra bien. Je vais me la mettre tout au fond. Oh, allez, ça va pas tomber sur... J'aurais tué personne. Hein. Chez moi, ma carrière est terminée.
Fais-moi un petit hôpital, fais-moi un petit animal so... Ah, merde. Ah, bah c'est bien ça. Vas-y, continue à reculer. Je vois rien là, enlève-moi ces compétences de merde. Alors, si j'amène ma garde ici, lui il dégage. Ça veut dire que je saute là, je fais une, deux esquives à moins un, et là. Mais lui, faut vraiment que je le dégage. Et pour le dégager, il a pas blocage, j'ai blocage. Ah putain, c'est toi la garde. Ah la con de moi. Putain, la con de moi. Alors attends. Ah putain, je fais un 1 encore. Mais va chier, t'es mort. Putain, mais c'est... Oh putain, mais... Incroyable, incroyable. Encore un. Bon. Bon, ben les amis, je fais un 3, super, j'ai même pas de quoi me racheter un 3 quarts. Oh là 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 là. Et c'est ce connard qui récupère le joueur du match, putain. Bon, encore un match qui a été compliqué. Allez, on renquille.